We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire mon organisation de bureau, en gros mon bureau tour si on peut appeler ça comme ça parce que c'est pas vraiment une pièce hein. Vous aviez été plusieurs à me le demander, donc je vais vous présenter un peu comment est rangé mon bureau, comment il est fait, d'où il vient, etc. Donc déjà je vais essayer voilà, de vous faire une vue d'ensemble. Donc en fait c'est un meuble fait maison. C'est à dire qu'on a acheté cette plaque dans un magasin de bricolage. Donc cette planche, c'est une planche blanche toute simple qui était beaucoup plus grande et on l'a coupée ici. Ensuite ce meuble là vient de chez Ikea, j'essaierai de vous mettre les liens. Et ensuite j'ai deux petits pieds blancs comme ça qui viennent de chez Ikea. À la base je voulais mettre deux meubles comme ça, mais si j'en remettais un ici, vous voyez que ma chaise ne rentre plus, il n'y a pas assez de place. Mais peut-être qu'un jour je serai dans un plus grand appartement, dans une maison. Je pourrais faire un truc super grand. Parce qu'on me demande toujours d'où vient mon bureau, mais du coup en fait ça dépend de quelle partie. Voilà, il est un peu fait maison, c'est pas un bureau que t'achètes déjà tout fait. Ma chaise vient également de chez Ikea. Donc voilà, c'est une chaise en tissu comme ça, elle est super confortable. Avant j'avais une chaise genre en plastique, c'était pas du tout confortable pour le bureau et là c'est nickel. Donc de ce côté on a une grande plante qui vient de chez Jiffy. Ensuite j'ai une petite poubelle ici qui vient de chez Action. Là ça vient de chez Ikea. Ensuite caché derrière on a plusieurs boîtes qui viennent de chez Glossy Box. Donc celle-ci avec un motif que j'adore et là motif marbre. Là on a une petite to-do list qui est cachée par mon disque dur parce qu'il y a des idées de vidéo. Là c'est une boîte Birchbox que je trouve trop jolie. Un rouleau à scotch de chez Emma. Là-bas, c'est une boîte à parfum de chez Courrèges que je trouve trop jolie. Du coup, je m'en suis servi en fait en pot à crayon parce que j'aime bien le motif. Ensuite, là, il y a mon appareil photo de vlog, donc le Canon G7X. Des lunettes lumière bleue, donc j'en ai plusieurs. Là, j'ai celle-ci, elles viennent de chez Le Petit Lunetier. Et vous avez un code promo de moins 20%, je vous mettrai ça en barre d'infos. Bon, j'ai extrêmement mal à gorge, j'espère que ça s'entendra pas trop. Donc, mon ordi, c'est un iMac 21,5 pouces que je me suis acheté il y a pas si longtemps. Parce que mon MacBook Air, il faut que j'utilise que pour les cours parce que je l'utilisais H24 et la batterie, au bout d'un moment, elle était morte. Donc, j'ai changé la batterie et on prend de bonnes habitudes en utilisant un autre ordi pour les montages. En plus, c'est tellement plus confortable de bosser sur un bureau avec un plus gros ordi comme ça. Mon petit tapis de souris vient de chez Amazon, je crois, j'essaierai de vous mettre le lien. Là, c'est une crème pour les mains qui vient de Balade en Provence il me semble, je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos. Là c'est une petite plante que j'avais eue chez Action je crois, je suis plus sûre du tout. Ensuite là le petit rangement ça vient de chez Maison du Monde, donc là dedans c'est un peu le bazar. Là il y a une lettre que je dois envoyer, là il y a des petits post-it, il y a des carnets, enfin bref c'est pas hyper bien rangé là dedans. Là on a des petits trucs pour mettre dans les livres et ça c'est hyper pratique. Genre un mètre de couture, je sais pas pourquoi il est là mais il est là. Un gel antibactérien pour les mains, un baume à lèvres, une autre crème pour les mains. Là c'est un parfum, il n'a rien à faire là. Et là on a du masking tape là, une espèce de scotch coloré. Ensuite si vous avez pas vu j'ai fait une vidéo sur tous mes livres d'école d'infirmière. Donc là ils sont rangés juste ici sur mon bureau. Ensuite j'ai la même plante que de l'autre côté de chez Ikea que j'ai depuis très longtemps. Hein. Et là j'ai une... bougie Yankee Candle à la rose. J'aime pas spécialement son odeur, mais elle me sert bien pour mes livres. Ensuite, j'ai un petit truc de chez Action avec plein de post-it dedans. Il y a une carte SD, mais elle est cassée, faut que je la jette. Mais quand on voit le prix que ça coûte, une carte SD, t'as pas trop envie de la jeter. Ensuite, j'ai une bouteille d'eau parce que je bois très très souvent. Donc j'ai mon MacBook Air, c'est un 13 pouces et le petit truc mandala, je l'ai depuis plus de 2 ans. Je pourrais même pas vous dire où je l'avais acheté, peut-être eBay ou Amazon. Ensuite là j'ai un chargeur, c'est le chargeur qui était livré avec mon ordi pour charger à la base la souris et le clavier. Je m'en sers aussi pour mon téléphone. Ensuite en dessous, là il y a ma pochette de DS qui n'a rien à faire là, une boîte Sephora vide. Et là c'est l'emballage de mon ordi, il faut que je le vire mais je veux pas jeter le carton, je veux le garder mais il est juste énorme ce carton. Ensuite là il y a mon chargeur de MacBook, il y a mon sac de cours qui n'est pas tout à fait prêt parce que demain c'est la rentrée. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé. Hein. Ensuite on va passer au tiroir, donc comme je vous l'ai dit c'est le meuble Alex qui vient de Ikea. Le premier tiroir en gros c'est toutes mes fournitures de cours, donc là vous avez... des punaises, des agrafes, vous avez ma calculatrice, des critériums, des feuilles Bristol, des crayons, taille crayon, ma grosse perforatrice, des mouchoirs et là derrière il y a d'autres recharges de stylos. Le deuxième tiroir c'est le tiroir pour mes stages, donc vous avez un peu du bazar.
de tout. Là, c'est le sac que j'utilisais. Il y a des pinces, etc. Si vous voulez savoir ce que je prends en stage comme matériel, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Ensuite, troisième tiroir, il y a un peu de tout. Donc en fait, au fond, il y a des photos de chez Cheers, des photos Polaroid. Parce que j'aimerais bien les attacher, mais je sais pas encore comment. J'avais pris des guirlandes avec, sauf que c'était des guirlandes à piles. Du coup, je sais pas trop si vous avez des sites ou quoi à me recommander pour prendre des guirlandes, donc lumière blanche. N'hésitez pas à me le dire. Donc il y a des petites pinces à linge parce qu'à la base je voulais attacher mes photos sur les guirlandes. Il y a mon mandala, il y a des feutres, là il y a ma trousse qu'il faudra que je mette dans mon sac. Et puis voilà, il y a mon calendrier pour 2018 aussi au fond. Ensuite, ce tiroir, il y a mes classeurs avec mes fiches et il y a pas mal de feuilles aussi que j'ai pas très bien rangées. Mais en gros là, c'est un tiroir avec des feuilles de cours qu'il faut trier, mes classeurs de fiches, mes fiches, voilà, tout ce qui a un rapport vraiment avec mes cours. Donc le dernier tiroir, c'est tout ce qui est informatique, donc on va retrouver des chargeurs, des coques de téléphone, des cartes SD. Là c'est une pochette avec pas mal de trucs aussi, genre batterie, tout ça. Enfin voilà, c'est tout le tiroir informatique qui commence à être bien plein d'ailleurs. Et donc voilà, au-dessus de mon bureau il y a plein de cas, donc il y en a certains qui sont pas droits parce que j'en ai fait tomber avec le vent. Enfin j'en ai fait tomber, le vent les a fait tomber. Donc du coup faut que je les remette un petit peu, mais voilà. J'ai des cadres de YouTube, des cadres déco. Les petits cadres carrés viennent de chez Cheers. Sinon celui-ci, Hello Beautiful, et le petit palmier là-haut viennent de chez Maison du Monde. Et ici nous avons mon petit calendrier. Et il y a plein de vidéos dessus, je note tout. Donc je vais pas tout vous montrer, sinon je vais vous spoiler en vidéo. Et donc ce calendrier, je l'ai fait sur le site de Cheers, donc je suis plus en partenariat avec eux, ils m'ont déjà envoyé des produits gratuits. Mais j'ai quand même un code promo, tout le monde peut en avoir un sur ce site, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc voilà pour mon bureau, ça aura pas été très long, mais voilà comment il s'organise. Si vous avez des conseils d'organisation bureau, etc., n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous!